Amen. Dieu bénisse mon frère. Merci. Amen. On est encore là, content ce soir, comme de coutume, pour notre émission. Nous avons une grande question aujourd'hui sur la suite de notre émission du jour de Saint-Valentin, dont le thème a été sur les conditions d'un bon mariage. Pour un bon mariage, on avait répondu. Mais il y a des petites sous-questions qui sont encore utiles. Et je voulais d'abord rappeler toute notre audience que je salue en passant. Content de vous voir nous suivre. Content aussi de recevoir vos questions, et qui sont en Belgique, en France, en Amérique, les amis qui sont même au Canada, là-bas, il fait très froid, et l'Afrique du Sud, l'Angola, il y a même une question que j'ai bien pour aujourd'hui, sur les investissements, on y reviendra après. En tout cas, nous vous saluons tous, nous sommes contents que vous nous suivez. Nous traitons des sujets durs, difficiles. Vous avez parfois vos églises et vos pasteurs, et il y a des amis qui pourront justement se dire, mais est-ce que c'est une question, Frère Banham dit, demandez à votre pasteur, ce qui est tout à fait normal. Cela me rappelle la dernière fois à Lomé, j'avais reçu une question d'un frère qui trouvait que les enseignements de son pasteur, ça ne marchait pas. Il y avait des erreurs et il m'a demandé. Mais quand j'avais compris que c'est dans ce sens-là qu'allaient les questions, je n'ai pas pu, je ne l'ai pas répondu. Sinon, je le mettais directement en conflit avec son pasteur. Alors, quand Frère Banham voyageait, s'il arrive dans une église de quelqu'un et que les gens lui posent des questions, il leur répondait, il leur disait d'aller voir leur pasteur. Mais dans son église, nous avons une grande série de questions-réponses. En 1954, en 1959, en 1961, en 1964, et même dans les sept sauts. C'est-à-dire, dans son église, il reçoit les questions, peu importe de qui ça vient. Mais ailleurs, quand vous lui demandez, il dit, voyez votre pasteur. Parce que quand lui vient passer, ce n'est pas lui de répondre à vos préoccupations. Mais quand vous lui demandez, lui, depuis chez lui, il vous répond. Et c'est ce qu'on fait aussi. Donc, si nous venons dans votre église et que vous nous posez des questions, on ne vous répondra pas. Mais quand vous nous demandez depuis ici, on va répondre et cela va aider les non-croyants, ceux qui n'ont pas de pasteur, ceux qui n'ont pas d'église, et même d'autres pasteurs. Parce que nous créons juste des pistes qui doivent vous permettre de beaucoup étudier. Donc, nous ne remplaçons pas vos pasteur, mais nous sommes dans une émission pour libérer l'esprit, pour éclairer, pour chasser l'ignorance. Et nous avons toujours dit que nous nous sommes comme une machine qui recherche la réponse de William Branham sur un sujet donné. Et c'est de cette manière-là que nous allons faire un peu plus de bruit et répondre à la charge de notre ministère. Quand je lis sur le net, je trouve trop d'histoires. Quand vous cliquez Branham, Branhamisme, il y a plein de trucs. Et beaucoup même, ce sont des critiques négatives contre William Branham. Donc, il faut aussi que nous mettions beaucoup d'éléments sur Internet en bien de William Branham, sur n'importe quel thème. Et c'est ça notre devoir. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et nous croyons qu'en Afrique, beaucoup de gens, dès que quelqu'un fait bien quelque chose, on critique, au lieu d'applaudir, de soutenir et d'aimer. Et de copier. Ouais. Mais parfois on préfère prendre des faux partis. Alors la question, comment vous la trouvez, Jack? Vraiment, la question, je la trouve vraiment perplexe parce que il y a beaucoup qui se disent qu'ils connaissent vraiment cette histoire de mariage, de divorce, mais vraiment, il y a beaucoup de questions dessus. Donc c'est pourquoi nous aussi on vient
dans cette émission pour être aussi nourri de cela. Voilà. C'est ça. Merci. Alors, la question, c'est que ce que le prophète dit sur le divorce et le remariage. C'est dit. Je sais que beaucoup de gens attendaient ce moment pour voir qu'est-ce que nous on va dire. Et puis vous savez, c'est un sujet difficile dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui se retrouvent parfois dans certaines situations qui font qu'il faut vraiment qu'on les éclaire là-dessus. Nous allons seulement lire William Branham. Je voulais d'abord vous dire quelque chose. Quand on parle de mariage ou bien le divorce et le remariage dans les troisièmes exodes, parfois les gens ne savent pas pourquoi souvent il nous arrive de préciser dans les troisièmes exodes. C'est parce que la révélation, Frère Branham dit, elle vient à nous, fur et à mesure que nous en avons besoin. Et il y a trois exodes, il y a trois dispensations, et dans chacune des dispensations, Dieu donnait la révélation sur le salut et sur le mariage. Parce que Frère Branham dit, il n'y a que deux grands sujets qui préoccupent l'humanité, c'est le salut et le mariage. Donc, chaque fois qu'il y a l'évangile, qu'il y a le réveil, après le salut, la deuxième question, c'est le mariage. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, Dieu a amené la révélation. Et aussi vu qu'à la fin du troisième exode, il y a les sept sceaux qui devaient être révélés, et là, la parole entière allait être révélée. Voilà pourquoi on souligne, pour qu'on puisse donner aux gens des réponses qui sont à jour. C'est un peu ça. Et pourquoi? Quand vous voulez nous écrire, si vous n'avez pas notre numéro du service du secrétariat, écrivez sur le bas de la vidéo. Ça apparaîtra et puis ça va nous permettre de voir la préoccupation et les d'autres questions, et, ou encore dans le messenger ou sur WhatsApp, comme d'habitude. Alors, pourquoi nous disons, nous donnons la précision, troisième exode, révélation ou réponse ou le point de vue de William Branham selon le troisième exode? Prenons d'abord mariage et divorce, 58. Prêché 21 février 65 matin. Alors 58. Traduction numérique de Shekinah. Nous avons aussi deux points de vue sur le mariage et le divorce. Maintenant que notre Seigneur nous a dévoilé le mystère scellé des sept sceaux de sa parole en ces derniers jours, bon, ça peut être du chinois pour beaucoup d'entre vous, mais mon église comprend. L'ambiance, c'est aussi bien chinois. Il dit, vous avez entendu parler des visions et de ce qui est arrivé. Et cette question est une question biblique. Nous sommes invités ici à croire qu'il doit y avoir une vraie réponse à tous les secrets cachés, qui a été caché depuis la fondation du monde. Et la Bible prophétise et dit qu'en ces jours ici, ces secrets seraient divulgués. Apocalypse 10. Et quand le septième ange, message de l'Odyssée sonnerait, le messager de l'Odyssée sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu serait révélé. Et cet âge est le dernier qui est celui de l'Odyssée. Donc, il y a deux points de vue sur le mariage, mais les sept sceaux vont nous donner la vérité cachée sur les sujets. Ah. Et comme les sept sceaux interviennent dans le troisième exode, voilà pourquoi on précise que dit William Branham, comment se ferait le mariage dans le troisième exode, parce qu'il y a justement trois sept sceaux. Deuxièmement, citation ou affirmation. 164, toujours mariage et divorce. Mais maintenant que les choses sont ouvertes,
L'esprit de vérité nous dirige vers la parole. C'est ce qui explique le pourquoi de toutes les erreurs commises au cours des âges. Ce que les sceaux n'étaient pas ouverts, ceci n'était pas révélé, c'est vrai. Donc les erreurs, l'ignorance sur le sujet du mariage est liée au fait que toute la parole n'était pas encore donnée. Donc si nous voulons avoir de l'éclairage sur le sujet du mariage, on ne pourra pas trop se référer aux 10 commandements, ni non plus juste aux simples déclarations de Jésus ou même de Paul. Mais il faut voir qu'est-ce que William Branham a réussi de spécial aujourd'hui, et la lumière qui va émettre sur les thèmes, c'est ça qui va nous diriger. Donc c'est pratiquement obligatoire. Alors pourquoi nos réponses se réfèrent au troisième exode. Donc, les sceaux et les serments même du mariage et divorce, c'est vraiment un grand sort pour nous permettre de répondre à toutes les questions. Maintenant, la question qui est-il permis à un frère ou une sœur de se marier, divorcer et se remarier dans le troisième exode? S'il faut reformuler la question, un frère ou une sœur, il se marie, elle se marie dans le troisième exode. Cela veut dire, dans les testaments d'aujourd'hui, il se marie, elle se marie, puis du coup, divorce. Frère comme sœur. Puis le lendemain, l'un comme l'autre se remarie encore. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est permis? Je lis directement hein, parce que c'est Branham ou rien. Je n'ai pas trop d'explications à donner. Mariage et divorce, paragraphe 46. Bon, si tel est le cas, nous avons deux écoles de pensée sur le mariage et le divorce. En effet, l'une d'elles affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Et ça, c'est une des questions. Et si vous suivez cela, vous irez trop loin. Et l'autre affirme, oh, si la femme ou le mari, l'un ou l'autre, a commis un adultère, l'un des deux conjoints peut répudier l'autre et se remarier. Vous vous retrouverez trop loin avec cela. Si un homme et une femme sont mariés, il y a une idée, il y a une doctrine qui dit l'une et l'autre, une fois mariés, ne peuvent se séparer que jusqu'à la mort. Donc celle-là exclut les divorces et les remariages. Si la question demande un frère, peut-il se marier, se répudier et se remarier? Quand William Branham commence à vous répondre, il vous avertit d'abord, nous avons des idées sur le mariage et le divorce. En effet, l'une des idées affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois. Donc ça, c'est une école qui exclut clairement le divorce et le remariage. Donc si on prend l'école là, on répond directement à la question, non. Es-tu permis à un frère de se marier, divorcer et se remarier? En prenant la première école de pensée, je répondrai non. Pourquoi? William Branham dit, l'une de l'école de pensée affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Et si je vous répondais avec cette école, je dirais non, vous ne pouvez pas divorcer et vous remarier. Et là, écoute la suite. William Branham dit, et ça c'est une question, il dit, mais si vous suivez cela, c'est-à-dire si je vous réponds non, marie-toi une seule fois, point. Si vous suivez cela, vous irez trop loin. Donc si je répondais à cette question-là, si c'est moi qui répondais,
Et en disant non, 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 un frère, une soeur ne peut se marier qu'une seule fois, point, jusqu'à la mort. Une âme en âme dit, vous irez trop loin. Continue. Et l'autre, elle affirme, si la femme ou le mari, l'un ou l'autre, a commis un adultère, l'un des deux conjoints peut répudier l'autre et se remarier. Vous vous retrouverez trop loin. Avec cela. Ouais. Les deux points de vue sont des extrêmes. À gauche, à droite, la vérité serait au milieu. Donc, pour la deuxième école de pensée, quand il y a infidélité, les deux peuvent divorcer, les deux peuvent se remarier. La première doctrine, il n'y a aucune raison. Vous êtes à vie. Seule la mort va vous séparer. Et là, vous pouvez vous remarier. Mais les deux points de vue là, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mais, quand on lit William Branham, dans ses enseignements, dans sa philosophie tout au long de son ministère, dans ses actes, dans ses réactions et ses actions, il appuyait plutôt la première idée là. C'est-à-dire, vous êtes unis jusqu'à la mort. Oui. C'est pourquoi il crie contre les divorcés. Les diacres divorcés, les gens à la chair divorcés, les Américains qui se marient le matin, qui divorcent et qui se remarient, jusqu'à les appeler même cela la vie de cochon. Dans ses pensées, il n'était pas dans... C'est dit, quand vous êtes le lecteur, vous verrez qu'il n'était pas pour voir quelqu'un se marier, divorcer et revenir. C'est pourquoi même il ne pouvait jamais consacrer un deuxième mariage. Prenons les exemples de quelques questions qu'on lui a posées. Question-réponse sur le sceau, posée le 24 mars 63 matin. Question numéro 5. Frère Branham, y a-t-il un passage de l'Écriture qui donne le droit de se marier après un divorce? C'est très important. Paragraphe 100. C'est écrit important. Eh bien, c'est pour cette raison que cela n'avait aucun rapport avec ceci. D'après ce que je peux voir, mon frère ou ma soeur, qui que cela puisse être, il n'y en a pas. À moins que votre compagnon soit mort. En effet, la Bible dit que nous sommes liés à notre conjoint ou conjointe aussi longtemps qu'il sera en vie. Vous voyez? Vous voyez sa vision? Là, on a 63. On lui pose la question directe. Y a-t-il une écriture dans la Bible qui permet, qui donne droit de se marier après un divorce? Ça ressemble à la question qu'on lui pose. Et la réponse, il dit... D'après ce que je peux voir, mon frère ou ma sœur, il n'y en a pas. Il n'y a aucune écriture qui permet un remariage après divorce. Et vous verrez que la réponse correspond à la première école de pensée qui dit « L'homme et la femme sont unis jusqu'à la mort. » Il dit « Aussi longtemps qu'il sera en vie, vous voyez. » Donc, pour ce qui est d'un passage de l'écriture, c'est ça qui porte la question ici. Y a-t-il une écriture, vous voyez, y a-t-il un passage de l'écriture? Il n'y a pas un passage de l'écriture que je puisse trouver, vous voyez. Il n'y a pas un passage de l'écriture que je puisse trouver. En effet, Paul a dit que le couple marié, si le compagnon est mort, alors l'autre est libre de se marier à qui il veut, dans le Seigneur. Mais jusqu'à ce moment-là, mais suivez attentivement, votre serment c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça. Vous avez fait ce serment-là, vous voyez? Alors, je ne pense pas qu'il y en ait. Maintenant, s'il y a, si vous en avez trouvé une, et que c'est bien juste, alors, très bien, mais quant à moi, je n'en vois aucun. Vous voyez que ça rejoint la première doctrine. Pas de mariage, de divorce et de remariage. C'est comme ça que William Branham a répété plusieurs fois.
Dans mariage et divorce, il dit, si vous suivez ça, vous allez loin. Souvenez-vous, mariage et divorce, c'est en 65. Ici, c'est en 103. Donc, avant, il avait un point de vue que beaucoup de gens ont jusqu'aujourd'hui. Disons encore. Alors, 255. Frère Branham, ah, on est dans la question réponse numéro 1. Soit question réponse COD volume 2. Du 23 août 64. Oui, numéro 1. Frère Branham, le Seigneur vous permettrait-il de nous instruire présentement sur la question du mariage et du divorce? Question. Un homme peut-il épouser une femme, puis divorcer avec elle, et ensuite en épouser une autre? Si les deux épousent quelqu'un d'autre, les deux commettent-ils l'adultère, tous les deux? Vous avez mentionné que cela rejoindrait la semence du serpent. Comment cela se fait-il? Un homme peut-il épouser une femme, puis divorcer avec elle, et ensuite en épouser une autre? Si les deux épousent quelqu'un d'autre, les deux commettent-ils l'adultère, tous les deux? Un homme marié, une femme mariée, l'homme divorce, femme divorce, femme se remarie, l'homme se remarie. Et là, le frère demande, est-ce que c'est possible d'abord que ces deux gens, ces deux personnes fassent ça? Et s'ils le font en divorçant, et puis en se remariant des deux côtés là, commettent-ils l'adultère? Il répond, alors 200, c'était la question 225. Il dit, maintenant, voici l'une des questions les plus délicates que nous ayons dans ces piles. Et c'est celle qui est plus posée dans le monde aujourd'hui. Maintenant, écoutez, moi, et j'ai eu la raison pour ceci. Si j'apportais vraiment à cette église sur bande ce matin la chose correcte, à propos du mariage et du divorce, cela démolirait chaque église du pays qui l'écouterait, voyez-vous, c'est vrai. Donc, ici en 64, il a déjà une idée sur le mariage et le divorce, une idée, un point de vue qui est opposé à la vision populaire des églises. 201. Ainsi, maintenant, croyez-moi, voici la Bible devant moi. J'ai pour cette question l'ainsi dit le Seigneur. J'ai déjà l'ainsi dit le Seigneur. Ouais. Et si ça n'est même pas venu à la montagne, à ce moment, il en avait déjà. Il a attendu juste d'aller là-bas pour qu'il y ait des signes confirmés. Il dit, les deux côtés qui argumentent ont tort. À la fois, ceux qui se remarient à ceux qui étaient mariés, et les autres, ils ont tous des torts dans ce qu'ils font. Mais la vérité se trouve au milieu de la route. Je ne vais pas. Je vais faire une bande de telle sorte que même si quelque chose m'arrivait, le frère puisse alors la faire écouter aux églises après mon départ. Voyez-vous? Mais je vais faire une bande là-dessus et vous montrer simplement où cela se trouve. Mais tant que je ne me sens pas conduit par le Seigneur, je ne dirai rien à ce sujet. Toutefois, je sens que pour ces choses, je dois être conduit par le Seigneur. Sinon, je ferai plus de mal que de bien, voyez-vous. Il avait déjà le point de vue. Et ainsi dit le Seigneur, seulement il attendait le moment pour le dire. Maintenant, je veux que vous fassiez attention à cette question. Un homme peut-il épouser une femme, puis divorcer avec elle, et ensuite en épouser une autre? Et si les deux se remarient, commettent-ils tous les deux adultère? Eh bien, mon ami, je ne vais pas blesser vos sentiments, mais c'est la vérité, je sais à dire, quiconque épouse celle qui est répudiée commet adultère, voyez-vous? Maintenant, je ne vais pas les dire, mais c'est la vérité. Amen. Il prend la Bible, il prend Jésus, il prend Paul, il donne
C'est ça. Quand un homme épouse une femme qui est divorcée, il commet adultère. Et quand une femme divorcée se remarie, elle commet adultère. Ça, c'est la thèse principale des données qui se retrouve dans cette partie de la première école des pensées, qui correspond à ce que Paul disait, que celui qui se sépare reste ainsi, ou qu'il se réconcilie avec son mari. Question réponse numéro 3. 30 août 64 matin, c'est au deux volumes de toujours. Question numéro 327. Y a-t-il une condition dans laquelle il serait permis de se remarier après le divorce? D'après. Maintenant, je vais voir si cela. Je pense qu'il y a deux ou trois questions là-dessus, hein, d'après les Écritures. Si je ne suis pas dans les liens du mariage depuis le fort précédent, y a-t-il même un motif de divorce qui permette de se remarier? Je vais acheter la bande, oui, pour obtenir cette réponse. Merci beaucoup, je l'attendrai dimanche. Voilà. La personne promet, je vais acheter la bande, j'attends la réponse. Y a-t-il possibilité, est-ce permis de se remarier après le divorce? C'est la troisième fois que la même question revient. Paragraphe 37. Eh bien, maintenant, je dis ceci, vous voyez, permettez-moi de laisser cela de côté, voyez-vous, jusqu'à ce que nous en arrivions à un point où, maintenant, où nous allons, tout ceci sera mis en ordre. Et maintenant, souvenez-vous, simplement, ce sera Dieu voulant, aussitôt que je serai revenu, la prochaine fois que je viendrai, Dieu voulant, je prêcherai sur ce sujet-là, voyez-vous. Et maintenant, et alors, nous enregistrerons sur cela sur la bande. De toute façon, si ça blesse, ça va blesser. Si ça clarifie, ça va clarifier. Ça, c'est ça. Vous voulez, il y a quelqu'un? Non, tu fais le travail. Mais soyez simplement courageux, voyez-vous. Heidi, soyez courageux. À propos de toutes ces questions que vous me demandez, est-ce qu'on peut se remarier, divorcer, se remarier, je vais faire une bande. C'est-à-dire la question à ça, attendez dans le mariage et le divorce. Paragraphe 11, question toujours, réponse numéro 3. Maintenant, la seule chose qui me dérange au sujet des questions, c'est le fait qu'il y a toujours une chose délicate, ou plutôt une chose déchirante, qui me tracasse toujours. C'est de répondre à la question sur le mariage et le divorce. Oh là là, les appels téléphoniques, les lettres, un frère s'est enveloppé dans une couverture et s'est mis sous mon porche de 12h jusqu'au lever du jour, le lendemain matin. Des ministres appellent de partout, ayant été mariés deux ou trois fois, ainsi de suite, des ministères. Je vais vous demander une chose. Je sais que j'en ai plusieurs, j'en ai encore plusieurs ici, je ne les ai pas tous parcourir des questions toujours, mais il y en a encore plusieurs ici. Souvenez-vous simplement de ceci. À vous qui êtes mariés et divorcés et remariés, permettez-moi une chose, voyez, vous avez placé votre confiance en moi. Je pense que ceci n'est pas enregistré. Je ne vous Vous me prenez pour votre prophète, envoyé de Dieu, votre serviteur, alors croyez-moi sur parole, d'accord? Continuez simplement à vivre tel que vous êtes. N'essayez rien d'autre de ces gens, mais vivez, allez simplement de l'avant, vivez simplement,
heureux. Vous êtes sauvés. Si vous êtes des chrétiens, continuez à vivre pour Christ. Il avait une raison pour vous sauver. Maintenant, lorsque je reviendrai, Dieu voulant, je vous l'expliquerai dans la Bible. Vous voyez? Et ne soyez pas bouleversés. Beaucoup d'hommes m'ont parlé disant, eh bien, j'aime ma femme, mais je serai tout simplement obligé de la quitter. Je ne vais pas manquer l'enlèvement. Ne faites pas cela. Demeurez simplement tel que vous êtes, jusqu'à ce que vous m'entendiez encore sur ce sujet. Vous voyez? Alors, lorsque je ne peux pas l'expliquer en 10 ou 15 minutes, cela prendrait du temps pour l'expliquer. En effet, ça doit être scripturel, ça doit être ainsi dit le Seigneur. Sinon, ce n'est pas juste. Donc, ici, Frère Branham, en recevant toujours les questions sur le divorce et le remariage, il dit, il faut attendre. Même le pasteur, le ministre lui ont écrit. Un ministre est venu même à la maison. Il est resté dans la cour. Il a dormi là-bas, dans la cour du même là. Il était marié, divorcé, aujourd'hui il est divorcé, tout ça là. On fait comment? On laisse le ministère, on chasse la femme, on va remarier une autre, la meilleure. Je vis avec celle qui n'est pas mienne parce qu'elle était divorcée. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Et voici la réponse. Le grand Bible dit, ne chassez plus votre femme que vous avez. Surtout ça, ne le fait pas. La première chose, il interdit fermement aux gens de chasser, de répudier, de divorcer. Sous prétexte que non, comme celle-là était déjà mariée, divorcée, en la mariant, donc je vis dans l'erreur, je vis dans l'adultère, je ne vais pas manquer l'enlèvement, par conséquent, il faut que je la chasse pour corriger. Non, 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 ne le fait pas. Par contre, il appelle ça, c'est corriger erreur par erreur. Ça, c'est vrai. Si tu as marié une divorcée, tu as commis erreur. Si tu veux la divorcer, si tu commets encore erreur. Donc, il dit, ne corrigez pas l'erreur par l'erreur. Donc, à ce stade-là, il interdit carrément aux gens qui avaient l'idée d'aller chasser les femmes qu'ils avaient, parce qu'elles étaient déjà mariées et divorcées, et elles les ont mariées, donc ils se disent, non, non, on vit dans l'adultère, on doit divorcer. Et là, Abraham dit, non, pas question. Même les ministres. Et qu'est-ce qu'il dit? Restez comme ça. Attendez-moi, je reviendrai. Il ne va pas prêcher sur cette affaire. Il veut faire une bande d'empêche. Quelle bande? Mariage et divorce. C'est là où il va le préciser. Et entre-temps, il leur dit, mais vous êtes sauvés, non? Vous êtes que des chrétiens. Continuez à vivre pour Christ dans l'état où vous êtes, en divorce. Et là, vous verrez que ministre, non ministre, il leur dit d'aller continuer à vivre et de pour Christ, vivre pour Christ. Donc à ce stade-là, nous les croyants du message en général et surtout du troisième jour, vous devez maintenant comprendre que vous verrez qu'ici le grand Bible ne met pas de l'ordre, par exemple, en disant, et maintenant vous les ministres, vous cessez de prêcher. Non. Il n'a pas dit ça. Il ne dit pas, ministre, tu étais divorcé, ou diacre, tu es dans quelle église, au ministère de terre. Toi qui es divorcé, quitté là-bas. Mais au contraire, il dit, continuez à vivre pour Christ. Maintenant, celui qui vivait pour Christ comme chante, il chante, brebis, pasteur, ministre, diacre ou adé, il ne dit pas clairement que non, comme votre femme qui est avec vous, t'es divorcé, ou toi-même, donc, sauf vous, le ministre, cessez de prêcher. Non, il ne donne pas un ordre clair comme ça dans la parole, non. Mais, tout comme l'idée de la première école, pas de divorce, pas de remariage, pas de diacre divorcé,
pas de ministre divorcé à la chaire, c'est comme ça. C'était tout dans le même ordre d'idée. Il ne veut pas voir des administrateurs divorcés, des diacres divorcés. Il ne veut pas non plus voir un frère ou une soeur qui se marie et qui divorce et qui se remarie. Voilà pourquoi quand les problèmes arrivent, tout le monde est dedans, frère, soeur et le ministre. Et quand il leur répond, il leur dit à eux tous, servez Christ, continuez avec vos femmes. Ne divorcez plus, ne corrigez plus erreur par erreur. Dieu avait une raison pour vous sauver. Il ajoutera même la Bible, là, il y a des gens qui ont commis les erreurs et qui ont été corrigés. Et ainsi de suite. Donc, jusqu'à ce niveau, vous verrez que William Branham reste dans la logique de respecter la vision d'un mariage sans divorce, sans remariage, mais toutefois en promettant aux gens d'attendre qu'ils viennent parler sur mariage et divorce. Nous avançons. Question-réponse numéro 3. Toujours, paragraphe 156. Il avance, il continue, il donne maintenant un élément. Il dit, avez-vous réalisé que je parle à mon propre fils Billy Paul? Devrais-je épargner Billy Paul? Certes, non. Voici la question qu'il fit poser l'autre jour. Une annihilation est-elle la même chose qu'un divorce, voyez-vous? Lorsque vous me posez ces questions, mes amis, vous ne savez pas ce que cela me fait. J'ai beaucoup d'amis assis ici qui ont été mariés 2 ou 3 fois. Billy Paul s'est marié à une certaine jeune fille et vient vers moi et dit, papa, je vais me marier. Billy Paul s'est marié à une certaine jeune fille et vint à moi et me dit, papa, je vais me marier. Il s'est marié, puis il est venu dire, papa, je vais me marier. Comment il s'est marié? Écoutez ce qu'il appelle, il s'est déjà marié. Quand il vient m'informer, papa, je vais me marier. 157. Je crois que mes frères, mes amis vont nous suivre attentivement. C'est pourquoi je parle lentement. Oui. Pour qu'on ne quitte pas le test et le contest. J'étais en train de laver ma voiture. J'ai dit, tu vas te cogner la tête contre le mur. Et j'ai continué tout simplement à laver ma voiture comme cela. Il dit, je vais me marier. J'ai dit, oh, vas-y. Et j'ai continué simplement ma maison. Il se retourna et alla en parler à sa mère, et sa mère s'est moquée de lui. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a fui avec une certaine fille qui fréquentait encore une école publique et il s'est marié. Nous avons annulé le mariage. Le père de cette jeune fille et moi, et moi-même, nous avons annulé le mariage. Mais n'empêche qu'il était marié. C'est mon garçon qui est assis ici et qui m'écoute en ce moment. Maintenant, c'est tout à fait vrai. Il vint vers moi avec la jeune fille avec laquelle il vit maintenant, ma belle-fille, mon petit-fils, et dit, papa, veux-tu me marier? Je répondis, en aucun cas. C'est mon propre fils. Vous pensez que cela ne me fend pas le cœur, étant donné que je l'ai porté dans mes bras et que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour lui, et j'ai été à la fois un père et une mère pour lui. Vous pensez que cela ne me fait pas mal de le dire, mais c'est la vérité, certainement. Mon garçon est assis ici, il m'écoute. Ma belle-fille et mon petit-fils sont assis ici en ce moment même. Mais je lui ai dit que ce n'est pas juste, voyez-vous. Parce que je dois le faire, je suis tenu par devoir à cette parole. Mais souvenez-vous-en simplement ces choses. Ces choses me déchirent. J'ai des amis intimes qui sont assis ici. Des hommes et des femmes qui prendraient qui s'arracheraient leurs yeux pour me les donner si je les leur demandais, monsieur.
Et ils sont mariés deux fois, voire trois fois. Ils sont assis ici en ce moment même. Et mon propre fils, mon propre petit-fils, mon petit et ma belle-fille que j'aime, regardez Billy, combien je suis resté à ses côtés, combien il est resté à mes côtés. Mais lorsqu'on doit dire la vérité, ça doit être la pure vérité. Je serais un hypocrite si je me tenais ici. Car mon propre fils qui est assis ici s'était engagé. Le marié, dont il dit là, un engagement. C'était engagé envers une jeune fille. Et j'ai dit, même s'il n'y avait jamais eu de cérémonie pour lui, qu'il ait vécu avec la femme ou pas, qu'il ait couché avec elle ou pas, la jeune fille, ou quoi que ce soit, dès qu'il a fait cette promesse, il était marié. Billy Paul, ou pas Billy Paul, c'est exactement la vérité. Il est marié. Lorsqu'il a fait cette promesse, qu'il s'agisse de moi, c'est la même chose. Nous devons être honnêtes. Je ne peux pas être honnête avec mon garçon, je ne peux pas être honnête avec vous. Si je ne peux pas être honnête avec vous, je ne serai pas honnête avec Dieu. Et je désire que vous croyez que ce que j'ai dit est mon opinion sincère. N'en faites pas sortir quelque chose d'autre. C'est là. Dis-le simplement tel que je l'ai dit, voyez-vous. Parce que je vais vous dire la vérité. Vous voyez la première vision de la première école de la doctrine sur le mariage et le divorce. Et vous comprendrez que dans le monde d'aujourd'hui, on fait une pause à la bande, on va y revenir. Les divorcés, ce sont les gens qu'on a vu vivre ensemble dans une maison, avec deux enfants. On peut dire 10 ans, 15 ans de mariage, 8 ans, 3 ans. Allez, ce sont des divorcés. N'est-ce pas? Mais le cas de Billy Paul ici, combien de gens sont dans ce cas aujourd'hui, dans ce monde ici? Dans les messages, ministre ou non, pasteur, diacre, AD, tout ça. Billy Paul aime une jeune fille à l'école publique. Il dit à la fille, je t'aime. Je t'aime, je te veux comme femme. Je te promets, on peut se marier. La femme dit, moi aussi, je suis d'accord qu'on peut se marier ou on pourra se marier. Des promesses. William Branham dit, il s'est marié. Je demande à tous les frères qui m'écoutent, qui me trompent, qui sont sincères avec William Branham. Est-ce que dans votre vie, à l'école, dans les quartiers, dans les rues, as-tu déjà dit à une fille que je compte te marier, ou j'ai l'intention de te marier, ou je pourrais te marier? Si tu l'as déjà fait et que la fille avait dit oui, tu es un divorcé. Ça, c'est la vérité. Que tu aies donné bisous, que tu aies couché haut, tu n'as jamais couché, tu ne connais même pas comment est sa poitrine, tu n'as jamais une photo même de sa nudité. Ce n'est pas ça. William Branham dit, je vais le lire, il dit qu'il ait vécu avec la femme ou pas, qu'il ait couché avec elle ou pas, la jeune fille, ou quoi que ce soit, dès qu'il a fait cette promesse, il était marié. Billy Paul ou pas Billy Paul, c'est exactement la vérité. Il est marié lorsqu'il a fait cette promesse. Qu'il s'agisse de moi, c'est la même chose. Nous devons être honnêtes. Qui pourrait ne pas être divorcé? Parce qu'il y a même la guerre. Allez, chassons les divorcés à la chair. Un divorcé ne peut pas être diable. Parce que là, tu regardes une femme que le monsieur a eu avant, les enfants que le monsieur a eu avant. Mais ici, on est dans le cas où il n'y a pas enfant, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de cérémonie, ils n'ont pas vécu même maison, il n'y a même pas eu sexe, il y a eu juste des causeries. Et oui, là, Branham a dit que Billy Paul est divorcé. Et le monde du message entier croit que Billy Paul est un divorcé. Mais combien sont dans le même cas que Billy Paul? Vous voyez un peu? Voilà pourquoi. Est-ce que
C'est parce qu'on n'est pas à l'église. On allait commencer à demander qui n'a jamais dit à une fille. Hein, caméraman, mon frère, je demande d'abord. Toi, dans ta vie, tu n'as jamais dit à une fille, je vais te marier ou je te dis. Vous allez trouver quelqu'un d'autre qui a la première fois. Quand tu vas divorcer. Ouais. Ah bon, d'accord. Puis on dit non, moi je suis chaste. Moi je n'ai pas. Non. Tu es chaste parce que tu n'as pas fait sexe. Mais tu avais promis à quelqu'un. Mm-hmm. Et c'est ta femme, tu es divorcé aussi. Maintenant imagine toi si on met la loi là, sur la table. Pas de diacre divorcé, pas d'adé divorcé, pas de ministre divorcé à la chair. Vous voyez, on va poursuivre beaucoup de gens. Beaucoup. Parce que beaucoup de gens disent même à Billy Paul, il ne prêche pas parce qu'il est divorcé. Mais Billy Paul, que vous avez divorcé là, il n'a jamais couché la femme là. Il n'y a pas d'autre détail, il n'y a pas de cérémonie. Juste parole. Toi, tu n'as jamais aimé une fille à l'école, dans le quartier, à l'église. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, dès qu'un frère et une soeur commencent méditation et fréquentation, en même temps, c'est quand on va se marier, on fera, on sera. C'est pas ce que c'est dit. Mm-hmm. Mais c'est ça, là, dès que vous avez fait ça, vous êtes marié. Et quand vous vous cassez ça, vous êtes divorcé. Et vous savez ça. Ouais. Tous ces frères et sœurs qu'on a présentés devant l'église, quand on les a présentés, là, c'était pour qu'ils se connaissent. Mm-hmm. Mais quand ils ont commencé à se connaître, qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est je t'aime. Mm-hmm. C'est je vais t'épouser, oui, mm-hmm. Oui, oui. Et c'est cette promesse à l'enfant qu'on n'a pas laissé. Mm-hmm. Ouais. Voilà la première vision sur le mariage de l'Ouest. Vous verrez maintenant dedans qu'à cause de ces petits trucs que je souligne là, voilà pourquoi William Branham dit, je viendrai vous éclairer sur le sujet. C'est pourquoi il dit, restez, mettez entre parenthèses cette vision ici. Cette manière de voir les choses ici que nous venons de dire là, de donner là. Les cas de Billy Paul, de divorcer, de vous remarier pas, soyez unis jusqu'à la mort. Il n'y a pas d'écriture pour marier, divorcer, remarier. Tout ça là, mettez en parenthèse, attendez-moi quand je reviendrai avec le mariage et les divorces. Je vais vous éclairer. Parce que vous verrez qu'il y a des zones d'ombre qui font que, comme quand on pose la question, qui n'a jamais dit à quelqu'un que je l'aime tous, on sera en train de divorcer. Mmh. Oh non, c'était une aventure. Oh, c'était un faux mariage. Oh, j'ai eu une grossesse par erreur. Tous, on est divorcés. Ah non. Vous voyez? Ouais. Donc, il faut qu'on aille dans le mariage et divorce pour voir qu'est-ce que l'homme va dire. Comment il va éclairer les choses. Prenez question 327. Question-réponse numéro 3 toujours. Non, paragraphe 327. Maintenant, le même Dieu qui a révélé cela est le même qui m'a parlé du mariage et du divorce à votre sujet. Et lorsqu'il dit ces choses-là, mon frère, ma sœur, je suis votre frère, un homme. Mais lorsqu'il dit cela, et que cela frappe ici à l'intérieur, je ne vais pas vous l'expliquer. Il est inutile que j'essaie de le faire, car je ne le pourrai pas. Mais cela n'a jamais été faux. Pas une seule fois. Malgré que je ne pouvais pas du tout le voir moi-même, je ne pouvais pas le voir, mais je me suis cramponné simplement à cela. Alors il commence à me le révéler et cela me laisse simplement perplexe. C'était précisément là, mais je ne le voyais pas. Cela échappe à votre éducation et à votre raisonnement. Il dit que la vérité est là, mais vous ne la voyez pas. Lui-même, il dit qu'il ne le voyait pas. Alors que la chose était là. Mais le Dieu qui a révélé le sceau lui a révélé cela. Voilà. C'était précisément là, mais je ne le voyais pas. Donc vous devez déjà comprendre que tout ce qui est déjà dit là, avant qu'on retourne sur mariage et divorce, il y a des éléments dedans que William Branham dit qu'il ne voyait pas ça. Voilà pourquoi vous devez mettre en parenthèse. Et ça là, le fait du message. Devaient avoir leur cerveau, leur tête sur les épaules. Mmh. Tranquille. Et lire ces choses et dire, mais pourquoi les gens prennent des tendances, des positions comme ça, comme des griffes. Avait, au lieu d'être net et de croire William Branham, d'enlever votre opinion et de prendre ce qu'il dit.
Vous voyez, quand je vous entends, je ne me mets pas aux tendances. Mm-hmm. Je lis la continuité de la pensée de Milan. Mais je ne le voyais pas. Cela échappe à votre éducation et à votre raisonnement et tout le reste. Donc la chose même là échappe à votre éducation. Non, elle peut vous dire des choses qui ne correspondent pas à ton éducation, même pas à ton raisonnement. Mais Dieu l'a dit, le même qui a révélé le son. Et quand c'est ça, c'est dans le cœur, il garde, ça ne peut pas dire. Il va attendre le moment. Il dit, et tout le reste, et cela avait aussi échappé à Caïn. Maintenant, si nous avions le temps de retourner ici dans la Genèse et de commencer à lire, vous voyons, un peu, si je pourrais retrouver cela et le prendre, je ne sais pas avec cette idée. Je le pouvais au nom, madame, où souvenez-vous, lorsque j'étais en train de vous montrer cela l'autre jour, juste ce que était-ce le cinquième, très bien, 355, ça c'est question. Souvenez-vous, Dieu voulant, la prochaine fois que je reviendrai, paragraphe 355. Souvenez-vous, Dieu voulant, la prochaine fois que je reviendrai, je désire prêcher sur... Vous montrez dans l'écriture la vérité sur le mariage et le divorce. À la fin des questions, on est en août 1934 et 30. Donc, c'est 4 mois plus tard, 6 mois plus tard, on va parler sur les sujets. Quand je reviendrai, alors j'ai fait parler. L'exposer simplement comme cela. Comme cela l'est en réalité. Je vais vous parler le sujet du mariage et du divorce comme cela l'est en réalité. C'est-à-dire toutes les autres réponses sont provisoires, sont à peu près pour éviter de corriger rien par rien. Mais la vraie version des faits, attendez-moi, je reviens avec mariage et divorce. Je vous le verrai à partir de ce moment-là. Ouais. Avant ça, vous ne verrez pas. Non. Vous aurez des... C'est un peu flou. Mm-hmm. Mais quand je parlerai sur mariage et divorce, vous verrez à partir de ce moment-là. Ainsi, entre-temps, prenez courage. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Pouvons-nous nous lever une prophétie donnée par une femme dans l'assemblée? Gloire à Dieu et je l'aime, et ainsi de suite. Alors, on va maintenant, comme il a donné la promesse, nous allons maintenant dans mariage et divorce pour voir qu'est-ce qu'il dit en réalité. Nous commençons avec le paragraphe 157. Nous sommes dans la traduction numérique de ce qui n'a. Ce n'est pas le même paragraphe avec la voix de Dieu. Si vous prenez note, vous aurez un petit souci de rechercher à partir des tests pour correspondre au paragraphe. Mais la traduction est presque pareille. Notez, lisons ceci ici. Je vais vous faire comprendre cela. C'est 157 paragraphes. Dans Matthieu 5. Jésus a parlé ici de quelque chose qui est vraiment d'une importance capitale. Nous voulons le voir. Matthieu 5. J'ai écrit sur... J'avais noté certaines choses que j'avais l'intention de dire seulement aux hommes. J'avais l'intention. J'ai noté certaines choses. J'avais l'intention de ne parler qu'aux hommes. Alors, j'ai pris un temps assez bref en les disant devant nos sœurs. Mais je vais aborder ceci maintenant, avant. Maintenant, sœurs, je vais vous mettre à la place qui vous a été promise par la parole de Dieu. Et veillez alors et restez aussi à cette place-là. Ça, il s'adresse aux sœurs. Il dit qu'il va leur donner leur que les écritures leur donnent. Matthieu 5, 32. Que dit Matthieu 5, 32? Je voudrais vous faire remarquer ici pour appuyer cette même idée de un et plusieurs. Matthieu 30,
Je pense que c'est Matthieu 5, 32. Commençons au verset 31. J'ai été dit aussi, il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. C'est Jésus qui parle. C'est lui qui a dit au commencement. Maintenant, regardez bien. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est à cause de la fornication, l'expose à devenir adultère. Voyez-vous, quiconque répudiera sa femme, si ce n'est à cause de la fornication, l'expose à devenir adultère. Et la femme maintenant pose la question, pourquoi elle va se remarier? Et quiconque épousera une femme divorcée commet adultère. Il a lu de la Bible, la traduction Gabi. Jésus dit, Moïse a remis aux gens la lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, si ce n'est à cause de la fornication, l'expose à devenir adultère. Et quiconque épousera une femme divorcée, commet adultère. Et la madame m'interpelle, pourquoi? Parce que la femme va se remarier après qu'elle a été chassée. Parce que toute femme qui sera chassée, si ce n'est à cause de la fornication, cette femme restera toujours liée à son mari. Quand bien même elle est divorcée, et tout homme qui la prendra en mariage prend la femme de quelqu'un. C'est pourquoi il commet l'adultère. Et un homme qui la chasse, l'expose à commettre l'adultère. C'est pas que lui a commis l'adultère, mais lui va exposer la femme à commettre l'adultère. Parce que la femme va se remarier. Mais il y a une condition ici qui pourrait faire que si tu as chassé, selon la condition là, tu ne l'exposeras pas à l'adultère. C'est la fornication. Oui. Parce qu'il dit, si c'est né à cause de la fornication. Cela veut dire, si tu chasses à cause de la fornication, tu ne l'exposes pas à commettre l'adultère. Oui. Et celui qui l'épousera ne commet pas l'adultère. Parce qu'elle n'est pas liée à son premier mari. Preuve. Vous voyez, elle a un mari vivant. Alors, aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est, elle a un mari vivant, elle n'a aucune raison du tout. Mais ça ne s'applique pas à lui. Cette loi même, qui fait que quand une femme est divorcée, elle ne peut pas se remarier si ce n'est pas à cause de la fornication. Parce qu'elle commet un adultère, enfin, madame dit la loi là ne s'applique pas à l'homme là de la répudier. En effet, il s'agit d'elle, pas de lui. Saisissez-vous, on doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous? Rien ne dit que lui ne peut pas, mais elle ne peut pas. L'homme, elle, vous voyez? L'expose-t-elle, pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit. L'expose-t-elle. Il n'a pas dit, il n'est pas dit que lui ne peut pas se remarier, mais elle. Ça, c'est une erreur. Mais vous trouvez un pasteur, il a du mal à lire ça. Il ne veut pas. Les pasteurs sont terribles. Frère là, donc vous dites quoi? Oh non, on n'a pas de message. C'est Frère Nam qui a le message, mais c'est lui le message maintenant qui parle. Il dit, selon Matthieu 5 là, l'homme lui là, il n'est pas dedans. Donc en vrai dit, un homme, s'il a marié une femme et qu'il aurait divorcé avec elle, et qu'il s'est remarié, vous allez l'envoyer en enfer où ici? Question.
Il dit, elle, pas lui, il ajoute 160. Pourquoi? Il pose la question, pourquoi? Mm-hmm. Pourquoi ce n'est pas l'homme et la femme qui est interdit? Il dit, c'est parce que c'est Christ en type. Amen. Comme l'homme est le type de Christ. Oui. Amen. Christ peut chasser toute plante, donc oui. Rien ne le bloque. Il est remarqué, il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier qu'avec une vierge. C'est quand tu vas te divorcer, toi l'homme, quand tu vas vouloir te remarier, ne prends pas la femme de quelqu'un. Mm-hmm. C'est pourquoi on dit, celle qui est vierge. Oui. Parce que là, dans la logique des faits, la femme qu'on devrait marier, c'est celle qui est vierge. Quand une femme est dans la maison, normalement, on ne peut pas la marier. Et si on la marie, il y a des grâces qui sont entrées dedans et tout ça. Donc, on dit qu'il devait se remarier en vierge. Il peut se remarier, il peut marier, il peut se remarier. Ça fait pas, non? Amen. Donc, il répond à la question. Oui. Dans notre question, là, y a-t-il une écriture qui permet à un homme de divorcer de ses mains? Il dit, il n'y en a pas, je ne vois pas. Ici, il dit, il paie et il donne l'écriture. Amen. Il y a l'écriture, ça existe, c'est Matthieu 5. Mais vous allez dire, mais pourquoi il se contredit? Non, non, il dit, c'était là, mais parfois vous ne voyez pas. Amen. Et c'était là. Il a admis que c'était là, je ne voyais pas. Parce que la révélation lui a fait la musique qu'on en a besoin. Amen. Il a dit, c'était là, je ne voyais pas. Contraire à l'indication, contraire à ton raisonnement. Mais c'est là. Il dit même quand il sait, c'était là, il ne voyait pas. Mais lui, au moins, il a frappé, ça a frappé la vie. Ouais. Quand il voit, c'est ça être fidèle à la parole. Oui. Quand tu vois, tu viens, tu parles. Mm-hmm. Même si ça contredit ce que tu avais dit avant. A vraiment passé de lui en parlant, lui c'est la première école. J'ai marié, il est jusqu'à la mort. C'est ça l'éducation. C'est l'Amérique. C'est la monogamie absolue. Ouais. En tout cas, il s'agit de l'Église. Les mondains divorcent, mais l'Église, lui, c'était les valeurs. Rester jusqu'à la mort. Mais là, il s'est fait qu'il se retrouve devant une autre réalité. Il peut se remarier. Ce n'est pas Joël qui répond. Considérons le prophète. Il peut se remarier si c'est avec une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre. C'est pourquoi on parle de la vierge. Les vierges n'existent presque plus ces derniers jours. Donc quelqu'un va dire, pourquoi moi on a dit je dois me remarier seulement une vierge qui cherche village à là, je n'en trouve peut-être pas. Non, le problème ici, c'est que la personne ne doit pas être la femme de quelqu'un. C'est-à-dire divorcer. C'est ça, la pensée. Et souvenez-vous, si elle était chassée, non à cause de la fornication. Ça, il faut retenir, parce qu'on va y revenir. Ah, oh, c'est très grave, c'est très grave. Et il ajoute, mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre, non, absolument pas. Et si jamais il épouse une femme divorcée, il vit en adultère. Peu importe qui il est, la Bible dit, quiconque épouse une femme répudiée vit en adultère. Voilà, pas de divorcé, absolument pas. Maintenant, voyez-vous ce qui était l'original là-bas, dès le commencement, c'est remarié à... Maintenant, remarquez, lui peut, mais elle ne peut pas. Virgile, à l'instar de David, Virgile, à l'instar de Salomon, comme toute la Bible, dans sa continuité, donc comme David et les autres. C'est la place qu'il voulait donner les femmes. Que les femmes comprennent qu'un homme a vrai Dieu dans toute la création de Dieu originale n'a pas de loi qui l'empêcherait de répudier une femme et d'épouser une autre. Le seul péché qu'il commet, c'est que quand il chasse la femme
Si ce n'est pas à cause de la fornication, il l'a fait commettre adultère. Maintenant, c'est à ce niveau-là que Dieu pourrait les juger. Pourquoi tu la chasses sans fornication alors qu'elle va devenir adultère? Donc, toi, tu vas vouloir faire augmenter les adultériens dans le monde. C'est à ce niveau-là que le jugement vient de la mer. Maintenant, Dieu les jugera comment? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fera de lui? On ne sait pas. Sinon, il fera commettre à quelqu'un l'adultère. Il pourrait être en quelque sorte une pierre d'achoppement ou de scandale pour cette femme-là. Qu'il chasse en dehors des causes de fornication. Si c'était qu'il a chassé à cause de fornication, il n'y a rien à dire, il n'y a même pas de problème. Il ne l'assumait pas à commettre adultère. Et la femme-là n'a aucune restriction pour se remarier. Donc, Matthieu 5 fait comprendre qu'il est possible qu'on se marie et qu'on divorce. Y compris dans le troisième exode. Cela est possible. Amen. À condition que la raison des divorces soit la fornication. C'est ça. Amen. Si ce n'est pas la fornication, tu vas la faire commettre adultère. Et toi, l'homme, tu n'as pas de problème. Il n'y a rien d'autre à part ce péché-là de la faire commettre adultère. Et la femme qui est divorcée, si ce n'est pas à cause de la fornication, ne peut pas se remarier. Quand elle se remarie, elle commet adultère. Voilà le premier grand tableau. Et là, que nous sommes en train de voir. Les atouts pour avoir, on finit comment? Si vous remarquez dans 1 Corinthiens 7, 10, remarquez, Paul ordonne à la femme qui divorce avec son mari de demeurer seule ou de se réconcilier. De ne pas se remarier. Elle doit demeurer seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Voilà, continuons à répéter ça. Elle doit demeurer seule. Mais remarquez, il n'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous voyez? On ne peut pas faire mentir la parole. Hein? C'est ça. Depuis le commencement, la loi du sexe parle de la polygamie. Or, la parole de Dieu, elle s'accorde avec la nature de Dieu. Elle observe une continuité. Voyez-vous, qu'une école est allée à l'est et que l'autre est allée à l'ouest sur la question. Il faut revenir à la vérité pour voir ce qu'il a dit. Il en a toujours été ainsi. C'est l'alliance normale avec Dieu depuis le commencement. Amen. L'alliance normale avec Amen. Dieu depuis le commencement. Il y a un grand nombre. Qu'est-ce que les milliers là? Quand vous dites que l'homme et la femme sont unis jusqu'à la mort et ne jamais se séparer ni se remarier, vous sortez dans la parole. Quand vous dites on se marie, on divorce, on se remarie, tous deux, vous sortez à la parole. Le chemin c'est au millier. Maintenant regarde le millier. Le millier veut dire l'homme peut divorcer et se remarier, mais pas une femme divorcée. Femme divorcée, si ce n'est à cause de la fornication, ne peut pas se remarier. C'est ça le millier. Parce que pour eux, femme, homme, marié, divorcé, c'est possible s'il y a infidélité. Les deux peuvent se marier et se divorcer et se remarier. S'il y a infidélité, divorce, ils se remarient chacun. C'est pas ça. Oui. L'homme et la femme sont unis, il n'y a aucune possibilité de divorce jusqu'à la fin. C'est pas ça. La vérité, c'est quoi? L'homme et la femme sont unis, mais s'il y a fornication ici, ça peut engendrer un divorce. Et quand ça engendre un divorce, l'homme peut se remarier. Sans problème. Si même il a chassé la femme, si ce n'est pas à cause de la fornication, il peut toujours se remarier. Mais le mal est qu'il fera commettre à la femme adultère parce qu'elle ira se remarier. Amen. C'est ça la correction que William Branham apporte sur la première école de passé.
Il leur fait voir qu'à cause des fornications naturelles, tout comme Christ, à cause des fornications spirituelles, Christ peut répudier son Église. Donc si vous liez un homme au point qu'il y ait une femme à des fornications commises et que l'homme n'a pas le pouvoir de la chasser, vous voulez Dieu et Christ peut supporter l'idolâtrie. Parce que c'est le type de Christ. Ah. Donc vous ne pouvez pas lier l'homme comme cela, peu importe. Comme si vous pouvez aussi lier Christ avec des incroyants, peu importe. Non. Ça marche pas. Vous voyez un peu, monsieur le frère. Donc l'homme, s'il chasse sans fornication, il l'a fait commettre adultère. Donc Dieu lui demande de ne pas chasser quand il n'y a pas fornication. La femme chassée à cause de la fornication, elle n'est pas liée à l'homme. Oui. Elle se remarie sans problème. Pas de problème. Maintenant, si quelqu'un l'a mariée, toi tu viens, tu dis tu as marié une divorcée, tu commets adultère. Non, tu mens. Elle n'a pas combien d'adultère. Et quand la femme se remarie, elle ne commet pas adultère. Je crois qu'on est ensemble là. Amen. Donc l'homme n'avait pas vraiment de règles, de contraintes ici. Donc voici la vérité qui est au milieu. Donc là où on dit l'homme et la femme peuvent divorcer, se remarier et tout ça là, deuxième école de pensée, c'est faux. Par contre, l'homme peut se remarier à une femme non divorcée. C'était ça. Et la femme ne peut se remarier que si elle était chassée à cause des fornications. Donc c'est ça la collection des deux écoles de doctrine. 163. D'abord, avant le commencement, dès le commencement, c'était seulement un homme et une femme. Après que le péché est entré, alors ça a été un homme et un groupe de femmes. C'est comme ça dans la nature, chez les animaux, les êtres humains, du point de vue de la chair naturelle. Ce sont des animaux. Nous sommes des mammifères, ça nous le savons tous, vous voyez. Et tout ça, c'est la nature de Dieu dans sa continuité. Maintenant, qu'est-ce que la fornication? Affaire même de fornication éthique qui permettrait à une sœur de se remarier après un divorce dans le troisième exemple, qui permettrait à un frère d'épouser une sœur divorcée dans le troisième exemple. Même deuxième, même premier, parce que William Branham lui donne à la fin, c'est universel. Croyant ou non croyant, tu peux vivre ça. Voilà pourquoi il dit prenez la bande là, donnez au juge, au pasteur, afin qu'ils s'en servent. Amen. Amen. L'union invisible de l'épouse de Christ. Paragraphe 60, péché, j'ai dit le 25 novembre 1965. Le mariage est la plus vieille institution du monde. Le mariage y est et fut institué pour la première fois au jardin d'Éden. 67. Ainsi, elle, la femme, donc, un sacré. D'abord, je vais citer trois choses dont elle ne doit pas s'éloigner. Maintenant, ayez à l'esprit qu'il s'agit de l'Église, pendant que je m'adresse à la femme naturelle, comme Paul le fait ici au 7e chapitre des Romains. Son Seigneur lui a confié la responsabilité d'une vertu, une certaine vertu. Personne ne détient cette responsabilité si ce n'est la femme. C'est vrai, cela lui a été confié par Dieu. Elle ne doit pas suyer cette vertu. Si jamais elle fait quelque chose de faux, elle doit le confesser à son mari avant qu'il la prenne et arranger la chose. C'est pareil pour l'Église qui fut mariée à la loi. Elle doit aussi venir devant Christ avant les égaux mariages. Et elle doit confesser cela. Si elle ne le fait pas et qu'elle vive avec son mari 10 ans, elle le confesse après, il a les droits, l'homme, de la répudier
et d'épouser une autre femme. Et voilà, m'ajoute, c'est l'écriture. Point. La fornication, c'est une vie impure. Ah. La femme a trois vertus. Virginité sacrée, féminité sacrée, maternité sacrée. Tu as fait enfant, tu es chez les parents, l'enfant est décédé, ou bien tu l'as jeté, ou bien tu as fait des avortements, tu as été légère, tu as perdu virginité, tout ça là. Dès que l'homme vient pour t'épouser, tu vas tout dire. Si tu caches des choses dans ta vie avant mariage, et que l'homme le découvre après, William Branham donne même les délais. Il dit, même si c'est 10 ans après, cela veut dire que vous avez déjà au moins 4 enfants. Ouais. 5. Si vous naissez, vous mettez au monde dans le rythme normal, non? Un après 2 ans, un après 2 ans, donc vous aurez 5 enfants. L'homme a le droit de te chasser et de se remarier. Ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? C'est ça qui dit fornication. Frère Bill, parce qu'on pose la question ici. Frère Bill, quelle est la différence entre fornication et adultère? Selon Matthieu 19, 9. Ah, je suis dans question réponse du 28 juin 59, soir. 185. Jésus dit dans Matthieu 19, 9, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, sauf pour cause de fornication, commet un adultère. La différence entre la fornication et l'adultère, le mot pourrait être utilisé d'une façon ou d'une autre. Mais pour éclaircir, ce dont il parlait là, cela est une femme célibataire. Cela, une femme célibataire ne peut commettre adultère parce qu'elle n'a pas de mari envers qui commettre adultère. Pour elle, c'est une impureté. Elle doit confesser cela à son mari avant leur mariage. Si elle a fait cela, si elle a fait cela. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier parce que elle a fait un faux vœu. Amen. Les faux vœux. En effet, la Bible dit que cela soit bien, ou plutôt, c'est le rituel qui le dit, que cela soit bien connu de vous. J'ai cela dans la mienne, hein? Et si un couple est uni autrement que le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Je vous demanderai, j'exigerai de vous deux, puisque vous répondrez certainement au jour du jugement quand les secrets de tout le cœur seront révélés. La fornication, c'est celle qu'une jeune fille, quand elle mène une vie impure, c'est la fornication, étant donné qu'elle n'a pas de mari. Mais quand elle est mariée et qu'elle mène alors une telle vie, elle commet adultère contre son mari. Amen. Donc, pour le problème ici, c'est que Matthieu 5, dont Jésus dit, tout celui qui répudie une femme, si ce n'est à cause de la fornication, ça peut être remplacé en d'autres termes, tout celui qui répudie une femme, si ce n'est à cause d'un faux vœu, l'a fait commettre adultère. Et toute femme qui est chassée, si ce n'est pas à cause d'un faux vœu et qui serait mariée, commet adultère. Et tout homme qui épouserait une femme qui est chassée, si ce n'est pas à cause d'un faux vœu, commet adultère. Et l'homme qui avait chassé cette femme, si ce n'est à cause d'une raison qui n'est pas fauvée, l'a fait commettre adultère. C'est-à-dire, quand on parle de fornication qui donne lieu aux possibilités qu'on chasse, à un moment donné dans le monde, il y a une guerre sur fornication ou infidélité. Voilà pourquoi beaucoup des églises adoptent la tradition infidélité, et c'est pourquoi quand il y a infidélité, ils permettent à un homme de chasser la femme. Et là, le frère se remarie dans l'église sans problème. Et nous, dans les messages, il y a deuxième exode, une tendance, comme je me rappelle dans notre église à l'époque,
Moi, j'étais par exemple chez qui là, et c'était que c'était fornication, mais pas adultère. Adultère, tu peux pardonner, alors que fornication, tu peux pardonner ou ne pas pardonner. Alors que vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres écritures où William Branham dit qu'une femme commet adultère, elle est morte pour son mari, et que ce dernier devait la bouter dehors. Et si l'homme boute dehors une femme, et dans le deuxième exode, là, on interdisait aux hommes de ne jamais se remarier. On a dit, tu chasses, mais tu ne te remaries plus. Tu restes comme ça à vie. Ah, il faut informer les amis, le pasteur, là, que c'est pas ça. Pas ça. Il reste ça. Amen. Vous voyez, on dit à un frère, tu as chassé ta femme là. Si tu l'as chassé parce qu'il a coupé les cheveux, ou bien si tu l'as chassé parce qu'il a commis adultère, tu vas rester comme ça, tu vas attendre jusqu'à ce qu'elle va mourir. Wow. Ça vient dans votre tête, c'est pas Branham. Voilà. Si vous dites que c'est Branham, ah, vous avez pris Branham pendant la période que lui-même nous dit, ce n'est pas encore clair. La période où lui-même dit prenez dans, avec les 27. En disant, attendez que je vienne bien vous expliquer. Donc, si tu as pris là-bas, toi-même, tu comprends que tu te mets toi-même dans l'infinité. Quelqu'un te dit, cette période ici, j'étais dans telle position. Faut pas, toi, tu n'écoutes pas. Donc, il te dit, tu sais toi-même ce que tu cherches. Oh, tu sais toi-même ce que tu cherches. Ouais. Est-ce que... Donc on a dit aux frères, vous n'allez pas vous remarier. Non, c'est pas ça. C'est faux. Aucun homme sur la terre. Aucun homme. C'est pourquoi nos femmes, nos filles doivent savoir, quand elles vont dans le mariage, qu'elles trouvent des hommes qui les aiment. Parce que l'homme est doté d'un pouvoir. Frère Branham dit, depuis le commencement, la loi de Dieu leur donne le pouvoir. Il peut vivre avec une femme et répudier. Fornication, oui. Là, il ne la fait pas commettre adultère. Infidélité, elle est adultérienne déjà. Pour moi, dis d'abord, elle va pas. Elle est déjà adultère. Parce qu'elle est sortie avec un autre homme. Mais maintenant, dit, c'est déjà. Et si tu as chassé ta femme, que cela soit pour fornication, que cela soit pour adultère, si quelqu'un vient te dire que tu n'as pas le droit de te remarier, c'est un menteur. Quand tu as dit William Branham, tu as bel et bien le droit de te remarier. Qu'on ne te dise jamais, oh non, il faut rester comme ça, tu vas attendre, la sœur va mourir. Non, tu vas pas commencer à faire des prières pour voir une femme mourir. Non, c'est faux. C'est pas ça. Alors, la femme maintenant qui est chassée là, si ce n'est pas à cause de faux vœux, elle n'a pas le droit de se remarier. Mais là, on se pose aussi la question. Est-ce que si on a fait les vrais vœux, on peut se séparer? C'est ça aussi le problème. Ça, ça le problème. Vous voyez un peu là où vous voyez comment les choses vont. Merci Seigneur. C'est un dossier. Donc, la fornication, c'est une fille. Quand une fille a fait les choses avant d'aller en mariage. Prenez à faire des faux vœux. On peut se voir un peu clair pour que les gens sachent qu'est-ce qui peut nous permettre, nous, de voir un frère dans le troisième exode qui a divorcé, se remarier. Qu'est-ce qui peut nous permettre, toi, pasteur Zoé, qui a laissé un frère qui a divorcé, se remarier? Ou une sœur qui a divorcé sur le marié, tu t'appuies sur quoi? Voilà, on est en train de parler. Prenez les notes des écritures, allez lire vous-même. Ou évitez des critiques que... bêtes. On doit éviter les critiques bêtes. On doit faire des critiques avec la parole. Les noces de l'agneau, paragraphe 39. Et puis après que la décision est prise à ce sujet, alors vient l'engagement. C'est là à vous. Vous décidez cela à l'hôtel. Ça, maintenant, le vœu, William Branham le jamais autrement. Le vœu de Billy Paul n'était pas fait à l'hôtel. Il dit il s'est marié à une fille. Puis il est venu me parler. Maintenant, ici, quand il enseigne les conditions d'un bon mariage, ici, il dit vous décidez le vœu là à l'hôtel.
Vous devez prendre un engagement avant que cette union n'ait lieu. Et il en est de même pour l'Église de Christ. Ça doit être un engagement avec Christ, une promesse, un engagement, une affaire d'amour. Et ensuite, la chose suivante, c'est faire des promesses. Il faut que l'on s'efface des promesses l'un à l'autre. Des promesses du genre, chérie, si tu m'épouses, je promets d'être loyal et fidèle, je ne regarderai aucune autre femme, ou je ne regarderai aucun autre homme, et je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère, je serai une ménagère. Toutes ces promesses doivent être faites ou devraient être faites dans un bon mariage. Et il en est de même quand vous venez à Christ. Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets, voilà, je te mérite, je te serai fidèle, je te servirai jour et nuit. C'est dommage que nous oublions cela. Je te servirai jour et nuit, je jeûnerai, je prierai, je te serai loyal, j'apporterai mes dîmes à la maison du trésor, je prierai plusieurs fois par jour, je ferai tout. Et je te promets tout mon amour. C'est ce que vous devriez faire. C'est tout à fait juste. Quand vous promettez cela, et ça devrait venir de votre cœur. Si vous promettez cela à votre mari, sans que cela vienne de votre cœur, vous ne vivez absolument pas correctement avec lui. C'est comme une mascarade. Ici, ce n'est pas fornication. Ici, c'est la sincérité des promesses. 40 ans, écoutez. Écoutez ceci, si vous n'avez pas de dents et que vous utilisez des fausses dents, bon, c'est très bien. C'est un substitut de dents que vous aviez autrefois. Mais à vrai dire, ces dents-là ne vont pas corps avec vous. Elles ne font pas partie de vous. Si on vous ampute un bras et que vous portez un faux bras, eh bien, à vrai dire, ce bras-là ne fait pas corps avec vous. C'est simplement collé sur vous, vous voyez. Ça ne fait pas partie intégrante de vous. Et quand nous faisons une promesse à Christ, si nous ne devenons pas une partie de lui, comme une femme devrait devenir une partie d'un homme, et un homme une partie de la femme, alors nous sommes des chrétiens artificiels. Nous ne sommes pas réellement, vous n'êtes pas réellement mariés à cette femme-là. Il se peut que vous soyez loyal. Si vous n'aimez pas votre mari, quand il atteint 60 ou 70 ans, et que vous ne l'aimiez pas comme au début, alors en réalité, vous êtes simplement en train d'élever ses enfants. Ici, il n'y a pas infidélité. Ici, il n'y a pas adultère. Il n'y a pas fornication. Ici, c'est le vrai amour. Et ça, c'est Dieu qui connaît bien ça. C'est Dieu qui sait le vrai et le faux. Les apparences pourront être autre chose. Si, ça c'est la vérité. Amen. C'est clair. Les noces de l'agneau, 43. Si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors, ce dernier n'est pas son mari. Ici, ce n'est pas fornication. Ici, c'est la franchise. Ils sont liés. Ils vivent ensemble. Ils sont loyaux. Aucun problème. Mais si ce n'est pas trop sincère, si la franchise là n'est pas là, ce dernier n'est pas son mari. C'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu'elle vivrait avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. Voilà, le faux vœu revient encore. Dans la fornication, c'était un faux vœu. Ici, il n'y a pas fornication, mais manque de franchise donne encore faux vœu. Amen. Voilà la raison. Amen. Elle avait promis de l'aimer et elle a dit qu'elle l'aimait, mais elle ne l'a pas aimé. Elle ne l'a pas fait. L'homme est continuellement trompé.
Mais une chose est certaine, mes amis, nous n'avons pas trompé Christ, il connaît le sien. Mmh. Vous voyez là, il dit, l'homme est continuellement trompé par la femme là, vivant avec lui. Et il n'y a pas franchise. Son cœur n'est pas à l'homme là. Mmh. Tout comme l'homme peut-être non plus. Et là, vous avez un faux mariage, mais il n'y a pas problème de fornication. Femme n'a rien caché avant d'être mariée. Peut-être même elle est mariée à une vierge. Oui. Mariée à une vierge, mais les vœux sont faux à cause de manque de franchise. Le manque de franchise fait que le vœu serait faux au même titre que. Parce que quand une femme cache quelque chose dans sa vie, dans la fornication, la vie qu'elle a menée avant d'être mariée, si elle a la capacité de ne pas tout bien dire à son mari, c'est parce qu'elle a un faux amour. Mm-hmm. Et le faux amour engendre le faux vœu. C'est pourquoi elle peut cacher une vérité devant l'homme. Et là, si maintenant, la femme aussi, qui n'a rien à cacher, mais peut aussi être dans la même position de ne pas être franche envers l'homme. Et c'est encore un faux vœu, tout comme le faux vœu de cacher la vie passée, tout comme le faux vœu, tu n'as rien à cacher, mais tu fais semblant, tu mascarades. Tous les décors sont des faux vœux. Amen. L'homme comme femme. Et ça donne un faux mariage. Et dans ces cas-là, si le faux vœu est constaté et que les deux personnes se séparent, comment vous allez les empêcher de se remarier? Vous voyez maintenant là, amen. Vous voyez maintenant là où on est. Le mariage et le divorce, pour terminer, 197. C'est quelque chose de vraiment sérieux. Je ne savais pas comment m'y prendre pour l'apporter. Que vais-je faire alors qu'il y a des hommes et des femmes assis dans mon ensemble, certains qui ont été mariés deux ou trois fois, de braves hommes, de braves femmes, dans la confusion totale. Quelle en est la cause? Un faux enseignement. Exactement. Le fait de ne pas s'attendre au Seigneur. C'est que Dieu a émis, qu'aucun homme ne le sait pas. Parce que l'homme a uni, c'est que Dieu a uni. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est là votre femme, et vice-versa, c'est la vôtre pour le reste de votre vie. Amen. Vous voyez ici, la vraie révélation de qui est ta femme, de qui est ton mari, fait qu'il n'y a même pas de divorce. Amen. Amen. C'est le vôtre ou la vôtre pour le reste de votre vie. Amen. Voyez, par contre, c'est que l'homme unit, n'importe qui peut le séparer. Amen. Mais c'est que Dieu unit, aucun homme n'ose y toucher. Ce que Dieu uni a-t-il dit, qu'aucun homme ne le sait pas. Pas ce qu'un magistrat a mangé ivre, ou quelqu'un d'autre a joint, ou un prédicateur rétrograde, avec un tas d'écriture dans un livre, qui laisserait les gens faire n'importe quoi au monde, alors que la parole de Dieu est là, même devant lui, voyez. Il parle de ce que Dieu a uni. Parce que dans ce cas ici, le vrai mariage, c'est ce que Dieu a uni. La révélation directe que l'homme a venant de Dieu, et ça c'est sa femme. La révélation directe que la femme a venant de Dieu, et ça c'est son mari. Et William Branham dit, c'est le vôtre, c'est la vôtre pour le reste de toute votre vie. Et si nous allons loin, dans les parents rédempteurs, on a dit ça autrefois, William Branham nous dit, c'est un mariage éternel. Venant de l'éternité, ils sont venus dans le temps et ils retournent dans l'éternité. Il n'y a pas de divorce à ces gens-là. Il n'y a pas de divorce. Et là, quand aujourd'hui, par exemple, quelqu'un peut demander, mais quand il s'agit de la fornication, on a dit qu'on peut divorcer. Mais quand il s'agit de faux vœux, là, on dirait que femme et homme devait dire encore,
il faut divorcer. Mm-hmm. Si un homme vit avec une femme. Mm-hmm. Non, il a déjà dit que si un homme vit avec une femme, mm-hmm. et qu'il est arrivé à 70 ans. 10 ans. Ouais. Et que l'homme, et que la femme n'aime plus son mari comme il l'aimait au début. Mm-hmm. Ce n'est même pas que la femme a triché. Ce n'est même pas que, je ne sais pas, elle n'a mm-hmm. même pas fait un acte. Mm-hmm. Le fait seulement que la femme n'aime plus son mari comme au début, mm-hmm. fait que, pour Frère Branham, cette femme n'avait pas du tout aimé mm-hmm. ce dernier. Le mariage là n'était pas bon. Mm-hmm. Le mariage là n'était pas bon. Il dit que c'était, ce dernier n'était pas son mari, ce n'était mm-hmm. pas du franc, c'était du mascarade. Mm-hmm. Mascarade, c'est une manière de se déguiser. Mm-hmm. Vous vous déguisez à cause d'un profit et vous faites un semblant, vous vous liez à quelqu'un, alors que dans ton cœur, tu sens que ça pouvait aller mieux ailleurs. Oui. Mais suite aux circonstances, tu dis non, je parle de choix et je vais dedans. Et là, c'est du faux. Oui. C'est dans cet état-là aussi que l'autre-là a caché une fornication. Oui. C'est la même chose, vous êtes dans le même état, vous n'êtes pas réellement lié. Oui. Et quand vous n'êtes pas réellement lié, si vous vous séparez, si tu vas te remarier, on va dire tu as combien de termes. Non. Tu es femme de vie. Parce que l'autre n'était même pas ton mari. Parce que Frère Branham a bien dit que ce dernier n'est pas son mari. Mais là, si vous êtes séparés, bon, on va dire que tu as combien de termes, comment ouais. Quel est ton mari parce que ce dernier n'est pas ton mari. Regardez 43. Si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. Mais après, tu n'es pas bien à toute franchise à un homme. Si vous vous êtes séparés, tu vas aller rester sans te remarier mm-hmm. sous prétexte que non, ton mari est. Et lui, on dit qu'il n'est pas ton mari. Oh, oh my God. Ok, on a une question ici. Frère Tony, il demande ceci. Qui peut-il nous prêcher dans le message de Mme Branham où il est dit que la femme peut marier plusieurs hommes? Peut-il nous prêcher dans le message de William Branham où il est dit que la femme peut marier plusieurs hommes? Bon, je ne sens pas peut-être bien comprendre la question. Mais peut-être je dirais que le frère demande si on peut lire dans le message de William Branham une citation où Frère Branham dit que la femme peut se marier à plusieurs hommes. Non, nous avons lu Frère Branham ici. Il nous a donné un tableau dans lequel le premier point de vue principal, c'est qu'il appelle la première école de doctrine, c'est qu'une femme et un homme sont unis jusqu'à la fin de leur vie. Seule la mort va nous séparer. Mais il a dit, quand il a corrigé cette doctrine-là, cette vision, il a dit, l'homme, lui, étant le type de Christ, il peut divorcer et se remarier. Et il a donné l'écriture de Jésus dans Matthieu 5. L'homme quiconque répudie une femme, si ce n'est à cause de la fornication, la fait commettre adultère. Madame, vous voyez, il ne dit pas que l'homme lui l'a commis adultère. Mais la femme, elle, comme elle va se remarier, elle commettra adultère parce qu'elle a un mari en vie. Donc, à partir de là, nous avons dit que la femme n'a pas de droit de divorcer et de se remarier. La seule possibilité qui permet à une femme divorcer, de se remarier, c'est uniquement si son premier mariage là, elle avait fait de faux vœux à son mari. Ça, je réponds maintenant, Frère Tony.
exécutifs même, on les a déjà donnés. Mm-hmm. Si je les prends, on va dépasser l'heure. Parce qu'on est déjà à la fin. Mais si vous pouvez visualiser la vidéo, vous pouvez même demander l'audio, télécharger ça et écouter ça sans dépenser les mégas, vous verrez que les citations sont déjà données dans un ordre, en tout cas parfait. Aucune femme n'est autorisée à un remariage si ce n'est que la rupture ou le divorce était intervenu suite à la fornication. Si on chasse une femme par un homme parce qu'elle a commis fornication, selon Matthieu 5, 31, 32, selon les révélations sur mariage et divorce, à ce moment-là, cette femme peut se remarier parce qu'elle a commis fornication, elle a caché quelque chose, elle a le droit, elle n'est pas liée à l'homme, par conséquent, elle peut se remarier. C'est fini. Maintenant, si une femme a une vie, elle se marie, elle divorce, elle se marie, elle divorce. Et madame appelle ça la vie des cochons. C'est ce qu'il a dit aux Américains. Oui. Pourquoi quand il a dit les Américains mènent une vie des cochons, il faudrait à la place de la vie des cochons qu'ils mènent là, on leur donne un médicament. Et c'est le médicament qu'il avait nommé polygamie. Quand il disait que c'est mieux que cette vie de cochon. Et c'est là où certains amis pasteurs, qui ont toujours des problèmes, et ils ont pris ça pour dire polygamie était mieux que cochon. Non, comme on disait que marier matin, divorce le soir, marier matin, c'est pas une bonne vie, c'est la vie de cochon. Ça fait qu'un fils de Dieu, un homme, qui dirait, moi j'ai le droit de épouser, de divorcer, de. D'abord, c'est la preuve que tu n'es pas croyant. Oui. Tu es un faux croyant aussi. Oui. Parce qu'un croyant normal, avant de se marier, il a le Saint-Esprit et il doit avoir la révélation directe venant de Dieu. Amen. Et quand on dit, quand vous avez la révélation directe venant de Dieu, et ça c'est votre femme, il dit, c'est la vôtre pour le reste de votre vie. Comment alors un frère serait en train d'abîmer les filles des gens? Il prend aujourd'hui, il chasse. Il prend des mains, il chasse celui-là, il faut le livrer dans les mains du diable. C'est un faux. Amen. Il n'a pas du franc. Il n'a pas de franchise dans sa vie, et il ment les filles, et ainsi de suite. Maintenant, nous aussi, les frères et les pasteurs, vous allez nous faire croire que les sœurs qui tomberont victimes dans des faux vœux des hommes, ils sont des faux. Un homme qui est faux. On voit vraiment que les vœux ne sont pas vrais. Parce que, regardez le paragraphe 43, Jérémie. Si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. Et si ce dernier n'est pas son mari, si cette femme et cet homme se séparent, vous allez lier la femme là à qui? Parce que celle-ci n'est pas son mari. On doit lier une femme à quelqu'un. Et ce quelqu'un doit être son mari. Quand on dit à une femme qui a divorcé, qui se remarie, qu'elle a commis adultère, William Branham dit, c'est parce qu'elle a un mari en vie. Mais ici, s'il n'y a pas de mari, elle commet adultère comment? Et qu'est-ce qui annule qu'elle n'ait pas un mari en vie? C'est parce qu'elle le veut. Dans le mariage précédent était faux. Si le vœu n'était pas faux et qu'elle a vraiment divorcé, peut-être pour la raison d'argent, peut-être pour les raisons égoïstes, peut-être pour d'autres raisons, je ne sais pas quoi, là, elle a commis adultère. Si elle se remarie, elle commet adultère. Parce que là, il y a des gens qui divorcent par le plaisir. Alors qu'elle s'était engagée avec tout son cœur dans un mariage. Nous voyons ça beaucoup, surtout avec les amis occidentaux. Ils voient quelqu'un, elle voit, ils disent c'est le coup de foudre, c'est tout mon cœur, toute mon âme. Puis le lendemain, j'ai trouvé un lien ailleurs. Quand une femme fait ça, elle n'a pas le droit de se remarier. Si elle se remarie, elle commet adultère. Si elle quitte le mariage d'un homme, non, celle-là, c'est une femme adultère. Et nous, moi ici, dans notre église,
La suite là, on va te chasser. Oui. En tout cas, Amen. Les frères, Amen. Je vous dis, nous ici, nous, notre église de troisième exode, où passer Zoé et là, Amen. Nous on chasse les gens. Amen. Oui. Nous, on n'a pas besoin de nombre de gens. Amen. Ça c'est vrai, nous on chasse les gens. Amen. Nous, les histoires des vies et des autres là, nous, dans notre logique là, on est né, on a vécu, on a eu des hauts et des bas. On était faible, mais on doit aussi devenir fort un jour. Oui. On ne doit pas rester faible à vie. Non. Non. Un frère, on voit ce que tu fais. Une soeur, si on voit qu'on ne te parle, tu n'écoutes pas, on te parle, tu n'écoutes pas, il faut partir. Si toi, tu rentres dans le christianisme là-bas, ou bien chercher d'autres églises de d'autres jours. Nous, on n'héberge pas des prostituées. Pardon. Des soeurs prostituées qui couchent avec des frères dans l'église. Qui font des trucs avec des. Non, si on t'a attrapé, ça dit qu'au lieu de te maudire, ça dit que. On... Oh non, tu vas. Sincèrement, tu. Sans pitié, hein. Mm-hmm. Sans pitié. Amen. Sans pitié. Amen. Nous, on ne joue pas avec ça. Ouais, ça. Donc, mon brother, la femme n'est pas autorisée à marier, c'est le mari. Non, non, elle a. D'ailleurs, c'est elle-même qui est. Mm-hmm. On a dit depuis le début qu'elle. C'est elle-même qui a un problème. Mm-hmm. C'est Christ qui a le pouvoir. Donc, oui. C'est l'homme ne peut ne pas être. Mais elle a les droits que quand il y a eu un fauve. S'il n'y a pas eu fauve, mais qu'elle s'amuse à ce moment-là, c'est tout un problème. Mais le reste, maintenant, les détails de faux et de vrais vœux, nous venons de le dire ici, c'est aussi Dieu qui connaît ça. Nous, là, on ne peut pas connaître qu'est-ce que le fauve, qui a fait le fauve et qui ne l'a pas fait. Voilà la raison pour laquelle. Nous évoluons dans un sphère, où nous sommes maintenant des gens, je suis comme ça. Je vois un couple qui vient dire, parce qu'on a fait fauve. Je n'ai pas testé. Si j'aurais un testeur, c'est le fruit. Tu vois, non? C'est le fruit que les gens mènent là. Oui, ils vont m'aider là. C'est ça. On dirait qu'ils n'ont besoin. Ça là, c'est pas ce qui est vrai, mais ça là, c'est le vrai. Donc, si vous venez me mentir, qu'on a fait fauve, et puis moi je vous valide, un divorce, ou je valide un remariage, sur base de votre témoignage, devant Dieu, ce n'est pas moi ma faute. Non, ah, c'est vous qui m'avez dit. Oui. Et non, vous n'avez pas dit. C'est-à-dire, j'ai forniqué, par exemple. Une soeur qui me dit, parce que j'avais forniqué. Et je connais parfois certains cas où une soeur a la fornication, elle a gardé quelque chose. Bon, à ce moment-là, admettons maintenant qu'elle se remarie. Toi, tu ne connais pas les détails, tu vois, qui c'est, non? Oui. Celle-là, elle a divorcé, puis elle s'est remariée. Mais est-ce que tu as vérifié si réellement elle ne méritait pas cela? Par rapport au premier mariage, est-ce que ce vœu était du vrai ou bien elle a fait du mascarade? Parce que si elle a fait du mascarade, elle n'est plus liée. Elle mène juste la vie des autres. Donc tout ça, ce sont des petits détails qui font maintenant que à un niveau, c'est maintenant le pasteur local qui a la maîtrise de ces détails-là. Oui. Nous, on répond en donnant les pistes principales, générales, de William Branham sur les sujets. Mais les détails, ça, c'est le pasteur qui savent que non. En étudiant mon cas, des cas ici, lui paie ou lui ne paie pas. Mais par rapport à la question qui a été posée sur le thème, dans le troisième exode, William Branham a répondu. L'homme, après qu'il soit marié, qu'il paie divorcé avec sa femme à cause de la fornication, à cause de faux vœux. Et il peut se remarier. Et quand la femme est chassée, elle a divorcé à cause de faux vœux ou de la fornication, elle a le droit de se remarier. Si elle a été chassée, pas à cause de faux vœux, par exemple, un exemple, tu m'as un frère marie une femme et la femme ne met pas au monde. Ah, comme toi, tu ne mets pas au monde, ma famille a dit on ne peut plus vivre ensemble. Et puis l'homme chasse la femme. Là, c'est ce que la Bible dit. Il l'a fait commettre adultère. Si elle se remarie, vous voyez, elle commettra adultère parce qu'elle a un mari en vie. Ça, c'est le jugement des Écritures, légal, la loi.
Mais si on va plus loin que les Écritures, on va dans le cœur de Dieu qui connaît les vraies choses, tu trouveras qu'un vrai mariage venant d'une véritable révélation qui produirait de vrais vœux n'amènerait jamais un homme à répudier de sa femme parce qu'il n'a pas d'enfant. Amen. C'est pourquoi nous, en tant qu'église ou le passé, nous travaillons sur les deux choses. Il y a les lois sur les écrits que nous devons respecter, mais c'est parfois comme ça qu'on juge. On amène les cas, on va dans la parole. Mais il y a un monde aussi très élevé où on peut voir Dieu lui-même ce que c'était. Ça, c'est du faux. Ça, c'est du faux. Et tous les faux mariages, quand ça se sépare, quand il y a le mariage là, Dieu ne vous compte pas que non. Vous avez fait ceci, cela, la preuve est que tous ces gens qui se trouvent, qui se sont mariés, divorcés, remariés, il leur a dit que je vous pardonne, continuez avec vos femmes. Frère Ben, le divorcé, hein, la femme qui l'a prise là, le ministère qui était sur elle, est venu même sur Frère Ben. Donc c'est cette femme qui est la femme originaire de Ben. Donc la première femme de Ben qui est partie là, n'était pas sa femme. N'était pas sa femme. Amen. Vous verrez dans les questions, quelqu'un demande, Frère Ben, et si j'ai divorcé et que maintenant je suis ailleurs, ma femme là est ailleurs, est-ce que pour corriger l'erreur là, je dois la chercher pour la remarier parce que c'est elle la mienne? Non, elle est déjà mariée à quelqu'un d'autre, elle est déjà la femme de quelqu'un d'autre, la propriété de quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu? Donc, en bref, voilà au moins ce que nous avions l'amabilité de dire. Respectant rien que les écrits. Ici, on a du mal à donner peut-être notre propre point de vue direct, mais on donne le point de vue général de William Branham, on va montrer sur les deux faces, un côté et un autre. Le faux vœu, la fornication, permet le divorce et le remariage. C'est ça que nous devrions. Donc, pour diminuer les critiques dans le troisième exode, si tu vois un frère qui a été marié, qui a divorcé, s'il se remarie, si ça te fait mal, essaie de t'approcher pour vérifier est-ce que. Pour quelle raison. Et surtout pour l'homme, il n'y a même pas de problème. Si vous voyez un homme qui a divorcé, qui se remarie, si les raisons ne sont pas fondées, comme je venais de le dire, on peut comprendre que c'est un faux frère. Parce qu'un vrai frère n'est pas là pour marier les gens et les divorcer. Mais au moins, sachez que l'homme a les droits. L'homme a les droits. Il peut le faire. Mais comme il est fils de Dieu, les droits doivent aussi être guidés selon le Saint-Esprit. Parce que tout m'est permis, mais tout n'est pas dit. Donc l'homme a les droits de répudier et de se remarier. Peu importe la raison, fornication, tout comme l'adultère, tout comme couper les cheveux, tout comme tétitesse, etc. Maintenant, le mal est que si ce n'est pas à cause de fornication, c'est-à-dire de faux vœux, quand la femme ira se remarier, Frère Branham dit, il va, et la Bible, l'homme va la faire commettre l'adultère. Parce qu'il est en vie. Et si c'est à cause de faux vœux ou fornication, là il n'y a pas de problème. Par contre, la femme, quand elle est mariée, qu'elle quitte un mariage parce qu'elle avait caché quelque chose, elle a fait un faux vœu, elle n'est pas liée. Elle pouvait se remarier. Mais si elle avait fait un vrai vœu et qu'elle quitte un mariage pour reprendre encore la vie ailleurs, ça, c'est une vie de désordre parce qu'elle a des limites. Il y a des limites à la femme et à l'homme par rapport à l'homme. Donc, les sœurs ne devaient pas mener la vie dans laquelle on marie, on divorce, on se rend. La honte même fait que ça ne devait pas être ainsi. Mais si quelqu'un est dedans, que cela soit dans le passé, que cela ne soit pas une vie actuelle, permanente, continue, non. Non. Parce que alors tu vas toujours, tu fais un mariage. Tu viens, au passé, le faux vœu n'était pas vrai. Le lendemain, tu fais encore un mariage, le faux vœu n'était pas vrai. Non, moi, si vous avez un passé comme moi, non, je vais te dire, non, il faut partir. Moi, si
tu reviens deux fois avec le véro, c'est pas bon, tu parles encore. Mais hey, je vais tellement te dire, on va se voir chez le peuple là. Hein? Sur la terre là, on peut se saluer sur WhatsApp. Hein? Ah, mais coopération, non, il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y en a plus. Donc c'est un peu ça, c'est pourquoi nous n'avons pas d'amis. On a seulement les frères et les sœurs. Les amis que nous avons dans le sein, les compagnons de service, c'est-à-dire les gens qui soutiennent William Branham. Mais des compromis, des histoires, des désordres, là, on n'est pas là. Donc, que tu sois ministre, que tu ne sois pas ministre, comprenez que là, le pardon que William Branham nous a donné dans les mariages et divorces nous permet de mener une vie où on est même de sacré, ou même de parfait, parce que nous avons été pardonnés. Le pardon était et pour ceux qui avaient déjà fait et pour ceux qui devaient faire après. Parce qu'ils viennent découvrir ça un jour plus tard. Donc ne jugez pas trop les gens si vous ne les avez pas approchés. Donc tout le monde doit mériter ce pardon. Voilà pourquoi même dans le pardon, Frère Branham dit, et s'il vous arrivait de le faire, oui, que Dieu vous pardonne. Oui. Mm-hmm. C'est ça. Donc il, tu vois, non, il pardonne les actes déjà faits au Branham Tabernacle. Il pardonne ceux qui en feront encore plus tard. Donc, ne mettons pas les gens en affaire s'ils ont commis ces erreurs-là. Parce que déjà, le grand Dieu les a accordé un pardon depuis là. Mais étudions par quels moyens ils sont arrivés à ces erreurs. Frère Branham dit des faux enseignements. Oui. Quelqu'un a été mal enseigné dans le deuxième exode ou dans les dénoms. Il vient dans une situation, il tombe, il est dans un choix bizarre. Si ça se brise, on comprend. Et on lui donne le conseil pour mieux faire. Oui. Maintenant, quand tu vas dans le troisième exode, même, tu t'es bien marié, tu as bien fait. Ou le lendemain, au vin n'était pas censé, donc tu nous as menti. Donc quand tu nous as dit que j'aime là, tu mentais. Donc maintenant, c'est la deuxième fois là qu'on saura que tu dis vrai. Voilà pourquoi nous disons que quand un frère dans le troisième exode se marie devant nous, il dit que j'aime, et puis ça divorce. Alors que nous savons déjà qu'il avait déjà un cas de divorce, il nous a dit que c'était mal fait parce qu'il était mal enseigné. Maintenant, il est bien enseigné, il a bien fait. Et là, demain, oh non, je n'étais pas. Donc, tu es un aventurier. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Frère comme soeur, on n'est pas là pour aujourd'hui, on consacre un mariage, demain, il y a un divorce. D'ailleurs, moi-même, déjà, si j'étais consacré, et que si ça s'avère vrai même que le fait était fait que vous avez divorcé, l'autre là, moi, je ne consacrerai plus. Je ne consacrerai plus. Je vais seulement prendre acte. Ah, vous êtes marié. Ok, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous dise ça. Mais je ne vais pas consacrer. Donc ça là, soyons clairs. C'est ça, moi, ma position. Vous verrez même ma position par rapport à la monogamie, polygamie. Je ne suis pas trop dans les doctrines. Mon nom, poly. Non, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis dans la révélation directe venant de Dieu que ça, c'est ma femme. Amen. Ça, c'est mon mari. C'est ça, moi, mon mari. Ça, j'ai enseigné ça depuis le début de notre ministère. À Lomé, 2010, 2011, 2012, je répète toujours la même chose. Il y a deux écoles de pensée, le chemin est au milieu. Oui. Et le chemin du milieu, on vient de le lire ici. Par exemple, si vous avez la révélation direct venant de Dieu. Donc, si cette révélation-là est venue chez toi deux fois, tu auras des fantômes. Chez toi trois fois, tu auras trois. Si c'est venu une seule fois, tu seras avec lui. Ouais. Moi, maintenant, je dis comment moi, je veux venir te donner quelques doctrines de l'homme. Que soit mon égard, mon s'appliquant. Non. Moi, je te montre que les dés, c'est sexuel. Et les dés sexuels ne sont pas parfaits. C'est des écoles. Parfait. Donc voilà un peu ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement. Jack, tu as quelque chose à dire? Vraiment, nous sommes très heureux d'entendre ce message parce que cela va nous faire du bien. Quand bien même qu'on est avec notre révérend, mais toujours est-il, on a toujours l'engouement d'entendre vraiment de meilleures choses, de bonnes choses. C'est la bonne nourriture de nos âmes. Donc, vraiment, soyez bénis et soyez toujours en ligne pour écouter cette parole. Cela vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse.